Bonjour, je m'appelle Nora, je suis là pour vous parler un peu de mon parcours scolaire. Alors, moi j'ai commencé par un bac pro GMNF, ensuite on nous a proposé de passer le BAFA, ce que j'ai fait. Ensuite, quand j'ai passé le BAFA, ça a été un peu la révélation de vouloir travailler avec les enfants, avec le public jeune et devenir animatrice. À la suite de ça, j'ai décidé de passer le BTS DATR, à Souëch toujours. Et à la suite de ce BTS, j'ai travaillé dans la structure d'alternance qui m'a ensuite gardée. J'ai vadrouillé pendant un an dans plusieurs travails. Et ensuite, je suis revenue dans cette structure, toujours à Pau. Et cette structure m'a proposé de passer un BPGEPS, donc c'est un diplôme de niveau bac qui permet d'être animateur professionnel. Et moi, c'était avec l'option direction, donc d'avoir la possibilité d'être en direction d'un centre. De loisirs. Donc voilà, là j'ai clôturé cette formation. Donc j'ai terminé cette formation au mois de juin dernier, ce qui me permet maintenant d'être diplômée au sein de ma structure en tant qu'animatrice professionnelle. C'est un diplôme qui est supérieur au BAFA et qui permet d'encadrer tout le public en fait. Voilà. Bon, je sais pas trop quoi dire de plus. Écoutez, concernant votre orientation, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut vraiment vous écouter. Il n'y a pas de parcours, il n'y a pas de parcours dicté, il n'y a pas de parcours tracé. Faites votre choix et écoutez-vous.